Eh bien, salut tout le monde, c'est Pharonium et aujourd'hui on se retrouve sur Digimon Digital Monster Battle Spirit. Donc ouais, on se retrouve pour cette fois-ci jouer avec ce Kamon. Le dernier épisode s'est pas super bien passé, je dirais. On a perdu contre Ipmon. On jouait avec Agumon. Bon, enfin bref, voilà. Bon, du coup, aujourd'hui, on continue, hein. Donc voilà, avec Sokemon, le dernier des Digimon disponibles au début du jeu. Donc après, bien sûr, il y a les Digimon qu'on a débloqués. Et mon frère, c'est parti, on va voir ce que ça donne avec Sokemon. J'espère que tout va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme attaque? Là, on a ça, bon. Bien sûr, on a toujours la shop disponible pour tous les Digimon. Alors, hop, on va prendre l'horloge. Bah, où est-ce qu'il est? Ok. Ok, donc en fait, on a les mêmes attaques. La même apparence, sauf que en courant ça nous fait ok, donc là on la lance plus loin. Wow. Ouais, donc en fait ok, donc attaque en l'air, on a ça, ou alors on a celle de base. Bon, voilà. Hop. Il est un peu cool sa digivolution. Elle est très agile. Bon allez, hop, hein. Alors je trouve qu'on l'a eu super tôt la digivolution là. Hop là, je vais me gratter le nez. Oh non. Hop là. Hop. Oui. Et je crois que je vais mettre un bip au montage vidéo. Donc là, punch. Allez, hop, direct. Allez, encore. Il punch là. Allez, hop, hop là. Il est trop marrant, j'adore. Ah oui, c'est vrai, ça sert à rien cette attaque là. Hop là, petite chop. Ah non, j'ai pas eu réussi là. Bon bah tant pis. Bon, normalement tout est bien, qui finit bien. Oula, 38-0. Ah, dis-moi. Alors c'est parti. Là par contre, je pense que ça va être autre chose. Ah, ça se trouve la difficulté du jeu est largement baissée avec avec ce Kamon, parce que il porte bien son nom. Mais je sais pas pourquoi, mais je sens que la difficulté du jeu est réglée en fonction du Digimon qu'on joue. Hein. Cool. Un 3 Spirit gratos. Allez, dégage. Voilà. Hein,
À moi la dévolution. Et tiens. Elle est vraiment fun, sa dévolution. J'adore. On baise direct. En fait, je crois que ce Camon c'est des joueurs le plus pété du jeu. Oh, on a réussi à l'avoir. Dis, est-ce qu'on peut? Oh. J'adore. Ça, il est énorme. Ah non, je le kiffe. Ah merde, putain, j'étais en train de regarder. J'étais pas en train de regarder au centre de l'écran. Voilà tout. Allez. Allez. Certainement rien. Ok, on a réussi à monter à 60 hein, quand même, c'est pas rien. 60 pour 2, bon bah... C'est nickel. Ah, cette fois-ci on commence en haut. Ok, donc je suis ralenti par le sable. Ok, bon, il a l'air un peu bugué la VMO, je sais pas pourquoi. Ok, ouais, non, c'est large là. La difficulté est baissée, ça se voit là, ils sont moins... Bah moins sur ta gueule quoi. Parce qu'avec Agumon, c'est un truc de fou, enfin. C'est un truc de ouf. Ok, d'accord, bon, j'ai peut-être rien dit. Hein. Oh bon, d'accord, il est vénère. Ah, la merde, c'était pas là. Magnifique bug. Non, bug, ouais voilà. Non. Ça sert à rien. Bon, Vemon il est un peu plus vénère que les deux autres là. Allez. Ouais, déjà. Eh, salope. Ah non, mais non. C'est fait exprès, là. Oh. Mais non. Haha, esquive. Aïe, ah, esquive. Ah, je vais non. Pas esquive. Aïe, mais saloperie de dirigeable. Bon, ce serait con qu'on perde vraiment. Ce serait vraiment con qu'on perde contre lui, ça. Né.
Ouais, oh bah d'accord, il fait du foot, hein, on en profite. J'aime bien cette musique. C'est cool. Il est monté à 23 quand même, hein. On notera. 23. Ah. Espérons que ça se passe mieux qu'avec Agumon. Quand même. Ça risque d'être compliqué. Ok, c'est bon, on a déjà un davantage. Non, ok, d'accord. Cette map est assez cool pour jouer contre Hitmon. Espérons que ce soit... Ouais, cool. C'est bon, là, ça tourne en notre faveur. Allez, hop, dégage. Allez, hop. En plus, il a pas d'endroit comme à se cacher comme... comme la map de Gilmon, quoi. Enfin, comme le stage. Allez. Donc là, on a pris pas mal d'avance. C'est plutôt cool. Aïe. Ok, vite. Rien à foutre, je veux la Digivolution. Allez, go, 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 go. Regardez. Putain, c'est trop bien. Énorme. Oh, cool. Il pleut des spirites. Oh non, non. Oh, on voulait partir. Ok, normalement ça devrait largement faire. On ne devrait pas trop s'inquiéter. Ouais, cool. On a Vuck Hitmon, allez. Ils ont vraiment fait un gros délire en créant ce canon. C'est plutôt cool. Au final, regardez ça, c'est le meilleur Digimon, quoi. C'est le meilleur. Regarde. Ah, il peut rien faire, il peut rien faire. Allez, je te bourre. Oh. Ok, l'autre elle est en haut. Aïe.
Allez, je te lance un truc. À moi. Oh non, oui. Oh. Je veux. Non, moi! Aïe. Aïe. Ok, d'accord. Il fait une petite pause comme ça là. Je peux savoir pourquoi tu... Ok, d'accord. J'ai rien dit. Ok, bon, allez, laisse tomber. Oh, 1. 3. Ok, bon. Apparemment, la boule lui appartenait. Donc, 60 pour 16. Et oui, tout va bien. Tout va très très bien. On est à plus de 200 de score. C'est cool. C'est vrai que j'ai cherché sur internet voir s'il n'y a pas des astuces. Ce qui m'étonnerait parce que la communauté sur ce jeu, y en a pas. Tout simplement. Où ils sont très peu. Et go. Il y en a beaucoup plus de personnes sur Digimon World. Digimon World que je vais bientôt commencer d'ailleurs. C'est tellement drôle. Ah non, c'est toujours à gauche, on dirait un... Ah bah oui, forcément, allez. Ok. Ce qui va y arriver. Oh, il a réussi. Et non, je retombe en haut. Ah. Ah. Skip, aïe. Ah non, on a réussi à se faire toucher. Bon, on va récupérer nos spirits, hein, parce que c'est à nous, c'est nôtre. Oh cool. Une gratos. Ok, d'accord. Moi c'est les spirits que j'attendais, c'est pas... Et non. Non mais non. Et c'est pas possible. Il est toujours là quand faut pas. Ouais, forcément. En plus il récupère même pas ce qui... Enfin, quand il me touche, il récupère même pas, c'est juste pour nous frapper. Bon, ça nous empêche pas de laminer quand même. C'est dommage.
Hop. Nah. Voilà, on a quand même réussi à aller jusqu'à 48. Voilà, donc en gros, on n'a récupéré que 7. Ah, on se bat contre notre sosie, notre clone. Allez là, 1 et 1 et 2 et 3. Ah, il est quand même affecté par par son propre environnement. C'est plutôt étrange. Hop, hop. Allez, allez. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Aïe, aïe, aïe. Ah, ah, rien de cela. Non, à moi. Allez. Ah, ça touche. Ça c'est bien ça. Mais laisse-moi récupérer au moins ce que... Ok. Bon, tant pis. Hop là. Allez, 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 allez. Oui. Et coucou. Oui. Ah. Aïe, mais non, je pas moi. Pourquoi moi? Ce n'est pas sympa. Hop là, haha, je t'ai vu. Eh bien là, copain. C'est trop bien, on peut le bourrer. Ok. Par contre, ça risque d'être assez différent pour le boss. Ou tout du moins, sans notre dévolution. Hein. Parce que je pense que ça va aller très vite, une fois dévolué. Donc, on va essayer de ne pas mourir sous notre forme de base. Le méchant Pabou, il arrive. Oh, mon dieu. Ok, c'est parti. Go. On commence à l'habitude, il va à droite. À louper. À louper. Ah, on a déjà deux perdus. Et je me fous, j'y récupère. Eh non. Bon, ça commence bien. On a déjà 3 PV en moins. Je sais pas pourquoi tu te décides à... Ok. Ah,
On va vraiment attendre notre dévolution, hein, parce que ça commence mal, en fait. Il nous reste que 5 PV. Ah, cool, elle arrive. Allez. Oh non, non. Ça c'est chiant ça, quand il fait ça, quand on est digivolvé, c'est horrible. Allez, viens. Laisse-moi au moins te mettre... Voilà. Au moins te mettre midlife. LOL. Oh là, il est très fort. Bon bah 4 PV il nous reste. Ouais, c'est tendu hein. Faut que je gère avec la dévolution. Cool. Cool. Voilà. On l'a eu. On l'a eu. C'est nickel. C'est cool, c'est cool. Et voilà, en tout cas, bah moi, écoutez, encore une fois, je vais vous laisser ici et maintenant. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et en tout cas, non, sérieusement, ce Camon, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que, en fait, je m'amuse beaucoup. Sa dévolution m'amuse beaucoup. Et, tiens, ça, c'est bizarre. Par contre, on notera que dans le dernier épisode, Apemon ne nous a rien fait, mais, en fait, à la fin de l'épisode, je me suis dit, c'est normal, puisque puisqu'il nous a vaincu. Et là, on l'a vaincu, mais il nous a laissé tranquille, donc c'est étrange. On va voir si ça change quelque chose ou pas. Et si ça ne change rien, et bah écoutez, c'est que je me fais des idées, voilà tout. En tout cas, j'espère encore une fois que ça vous a plu, ouais. Et bah n'hésitez pas à liker, à aussi à commenter, hein, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, en tout cas, bah, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Salut tout le monde! Thank you.